avec la théorie du développement à échelle humaine. Et par exemple, les besoins humains qui sont... on l'a dans la pyramide de Maslow, par exemple, mais la pyramide donne l'impression qu'il faut d'abord manger, la subsistance, il faut d'abord manger, avoir un toit, avant d'avoir de la récréation, avant d'avoir de l'affection, avant d'avoir de la dignité. Alors, ce qui est faux, c'est que tout en même temps, les enfants, même les petits-enfants, ont les besoins humains d'affection sont aussi importants que le lait maternel. Entonces, a partir de espacios de espacios de participación que el centro ofrece, como los grupos de danza folclórica, los grupos de marimba, que se toca arte, teatro, esos espacios de comunicación que se abren, fortalecemos, lleva impregnado una estrategia de comunicación con esos tres elementos fundamentales: fortalecer la identidad, la participación y el afecto local. Apostamos por una comunicación alternativa, distinta, que promueva la paz, una cultura de paz, que promueva un desarrollo espiritual basado en el respeto a los seres humanos, a nosotros mismos y también a la naturaleza. La culture est d'une importance primordiale. Il y a beaucoup de violence dans les familles, beaucoup de violence dans la société. Et pour contrer la violence, c'est pas plus de police, c'est plus d'espace où les jeunes peuvent se développer et peuvent trouver leur dignité. On touche d'une façon plus générale à peu près 350 jeunes et d'une façon plus directe, régulièrement, à peu près 100 jeunes qui viennent ici au moins 3-4 fois par semaine à recevoir une formation. Alors ici, ce sont les jeunes mêmes qui ont choisi le nom de Monseigneur Romero pour le centre communautaire. Et on a choisi Monseigneur Romero justement parce qu'il avait une capacité pour parler de la justice et c'était un homme qui était très écouté aussi. Alors là, on dit si on veut avoir un effet local, alors ayons une radio locale pour être capable de dire ce qui est la vérité. Et puis... on ne veut pas être attaché par personne, alors on n'accepte pas de la publicité ni de cigarettes, ni de Coca-Cola, ni de rhum, ni de... Alors ce qui fait qu'on a beaucoup de misère à survivre. Le financement, bien une partie c'est l'autofinancement, on vend des services. On vend, par exemple, des groupes de Québécois qui viennent ici. On vend des cours d'espagnol, on vend des conférences qu'on donne, on a des services de guide, tout ça, de transport. On les reçoit. La culture, l'échange, alors souvent c'est l'interculturel. Alors ça, c'est une source de financement importante. La deuxième, c'est que les jeunes qui sont maintenant spécialistes accepte de travailler pour un salaire moindre jusqu'à ce qu'on soit financièrement plus fort. On calcule, tu vois, les spécialistes qui ont des maîtrises ici, ils pourraient gagner le double et des fois le triple dans d'autres organismes internationaux. Et ils acceptent de réduire un salaire, leur salaire, pour donner parce qu'ils ont reçu ici. La majorité, la grande majorité,
on participait à toutes les activités ici depuis qu'ils ont 8 ans, 10 ans, 12 ans. On reçoit des bourses d'études et c'est leur façon de remettre ce qu'ils ont reçu. Et on a quelques projets aussi. On a un groupe à Québec qui s'appelle Spirale, qui est le groupe pendant d'ici. Et Spirale a un réseau de jeunes. On a développé un réseau de jeunes qui donne 30 sous par jour, par exemple. Mais déjà, ce 30 sous par jour-là, multiplié par les jeunes et à chaque année. Alors actuellement, on est presque rendu à 20 000 $ par année. Alors cet argent-là, Spirale le multiplie aussi. Alors on a un projet avec un groupe d'Horizon où il faut mettre 12 000 $ et Horizon avec l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international, finance un projet de 35 000, 40 000, ça dépend des années. Notre grand but, c'est d'arriver qu'on s'autofinance par les services qu'on vend et que les jeunes du Québec acceptent de vivre plus simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Allez, Alexis, colle les soins. Et le programme est développé pour connaître la réalité. Quand on dit qu'on peut faire notre propre programme, notre propre horaire, on dit que nous pouvons mêler plusieurs types d'activités. Par exemple, des activités pour connaître la réalité de Nicaragua, et pour connaître les gens de Nicaragua, mais aussi pour connaître des endroits que nous avons ici et qui sont des endroits très beaux, sont des endroits touristiques, on peut dire ça, parce que nous voulons présenter, c'est vrai, la réalité de Nicaragua, mais aussi les choses belles que nous avons ici. Et on dit que on fait un stage, on fait un horaire pour le groupe, pas pour changer de climat, comme on disait le Père Jacques ici, le Père Jacques Giroux, sinon pour changer de vision, changer d'âme, changer de vision pour comprendre le monde. Hein. L'autre chose que je voudrais remarquer, c'est qu'il y a des groupes, principalement d'adultes, qui veulent faire un projet en concret ici, peut-être par un mois, pendant un mois. Et ça, c'est possible, on l'a fait déjà. Par exemple, il y a des groupes qui veulent peinturer un bâtiment, qui veulent réparer les toits de la maison des jeunes, qui voudraient faire quelque chose avec les enfants, ça c'est possible. Les groupes qui ont fait ça, ils amènent un budget pour le projet et en coordination avec ici et avec nous, l'organisation, on peut développer ce projet. Et ça c'est très important parce que de cette façon aussi nous appuyons la communauté aussi. Et ça c'est on veut développer plus ça aussi. On est ouvert. On est ouvert à toutes les propositions de tous les groupes, de personnes qui veulent organiser, qui désirent organiser un groupe à Québec, au Canada ou dans un autre pays, qui voudraient connaître la réalité de Nicaragua. Il y a la capacité ici parce que il y a une chaleur humaine que tu peux vivre ici. En Andaime, Nicaragua.